Quel m'a appelé Jésus Christ? Que le Seigneur Jésus Christ bénisse tout à chacun de nous. Voilà, Jésus Christ, on va prendre la parole comme on a dit. Que le Seigneur Jésus Christ nous soit favorable ce soir. Et t'es connu, Jésus Christ, on va prendre la mission à propos de mon colon. Amen. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture de nos textes. Nous prenons Marc chapitre 12, verset 29 jusqu'au verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un des scribes. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui répondit. Le scribe lui dit: bien, maître. Tu as dit avec vérité que tu es unique. Et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et qu'elle aimait de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, tu n'es pas loin du royaume des dieux. Et personne n'osa plus lui proposer une question. Nous prenons Jean chapitre 15. On nous prépare les cantiques, bon sauveur, berger fidèle. Collègue qui a dit le pour battre les malades pour mourir qui s'est mis sur Jean chapitre 15. Le roi n'est pas pour le mitano. Jean chapitre 15, le verset. J'ai lu le verset 9 et 10 au nom de Jésus-Christ. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Okay. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous.
Et que votre joie soit parfaite. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Le verset 15 à 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le monde. Ce qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc il n'aime pas non plus le Père. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous pouvons nous rasseoir et puis nous allons prier. Nous allons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Prie pour le prédicateur. Recommande-les entre les mains du Seigneur. Le Seigneur puisse l'utiliser puissamment. Le Seigneur puisse l'utiliser pour ta faveur ce soir. C'est le Seigneur qui est le véritable enseignant de notre esprit.
nom de Jésus. Amen. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que la joie de Jésus-Christ est avec nous ce soir. Je crois que la joie de Jésus-Christ est notre partage. Nous acclamons fortement pour le Seigneur Jésus. Acclamons pour le Jésus. Jeté à terre. Un grand matin,